Alors, le Grand Prix, c'est avant tout une formidable caisse de résonance pour rappeler qu'il est de la responsabilité des marques et surtout dans leur intérêt d'agir sur des questions d'ordre environnemental, social et sociétal. C'est aussi une tribune de mise en visibilité pour certaines marques ou certaines initiatives qui sont engagées, inspirantes et positives. Et enfin, tous les lauréats et tous les candidats sont aussi la preuve qu'en adaptant ou faisant évoluer son modèle économique, sa stratégie marketing, on peut avoir une approche plus responsable et plus durable. Eh bien parce que nous avons tous besoin de redonner du sens à nos métiers. Chez Media Center, en tant que régie publicitaire, nous souhaitons être acteurs et contributeurs de la transition de notre secteur. Et le Grand Prix y répond justement. Avant tout, nous souhaitons aider humblement les marques à être mieux engagées, notamment en leur proposant des leviers marketing plus responsables et plus solidaires, en réalisant des études ou encore en réalisant le calcul de l'empreinte carbone de nos médias. Chez Media Center, nous ne souhaitons pas avancer seuls. On souhaite être accompagné d'experts et nous avons mis tout récemment en place notre comité en transition positive où nous réunissons différents experts, des enseignants, des experts du marketing, de la publicité. Et ensemble, notre objectif est de réfléchir pour définir comment mieux valoriser des démarches vertueuses. Alors j'ai envie de vous dire que tout repose sur la confiance. Les Français sont conscients des notions d'engagement. Ils sont d'ailleurs 96% à connaître le terme de marque responsable. De la part de Français, des Français, il y a aussi besoin de vraies preuves. On a par exemple des game changers qui sont la transparence, la traçabilité ou encore la durabilité des produits. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre étude Sustainable Brands qui décrypte bien ces enjeux. Il y a d'ailleurs un chiffre qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que 7 Français sur 10 sont incapables de citer une marque responsable. Ça veut donc dire qu'il y a vraiment des marges de progression pour les marques, pour les agences, pour les régies ou encore pour les médias.